bien belle histoire que celle de la Veloce GTS. Bonjour et bienvenue dans Track Day. Aujourd'hui au programme, une voiture bien atypique puisque c'est un projet qui a été démarré il y a un peu plus de 10 ans par Henry Clay Hutchinson qui avait la volonté de développer sa propre supercar. Est né ce modèle, donc la Veloce, équipée d'une boîte 6 vitesses de 500 chevaux. C'est un moteur V8 à l'intérieur. On est aux alentours de 230-240 km/h en Vmax, le 0 à 100 en 5 secondes. Cette voiture débarque en mode sur Assetto Corsa. Le mode, vous pouvez le retrouver bien entendu dans la description. Et force est de constater que la bête n'est pas sans rappeler quelques voitures iconiques des années 80. Idée sûrement de l'époque où elle avait commencé à être conçue dans la tête de notre ami Hutchinson. En tout cas, cette voiture est réalisée avec le son de la Ford GT de base dans Assetto Corsa et ça lui va plutôt bien puisque ça reste un V8, donc pas foncièrement d'erreur, impossible de capturer le réel son de la voiture, vous vous rendez compte. Et donc on est parti, l'essai sur le Mugello, et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que la bête chasse du popotin. Vous allez voir pas mal de travers de contrôle, une boule en puissance cette voiture, véritablement très beau transfert de charge, très beau contrôle, on peut faire de belles dérives. Et sincèrement, ceux qui aiment drifter avec des voitures des années 80 style Ferrari F40, vous allez vous en donner à cœur joie. En tout cas, la réalisation physique, j'en ai jamais vu en vrai, donc je ne peux pas vous donner vraiment un avis. En tout cas, les proportions sont belles, le design n'est pas sans rappeler certaines voitures modées de GTA Vice City, pour ceux qui avaient joué. Donc cette Veloce est un modèle assez atypique, mais qui vaut le coup en termes de physique, parce que c'est encore plus violent et encore plus jouasse que l'est déjà la Ford GT40, et pourtant, elle est déjà elle seule un monument du sport automobile. Je vous invite donc à tester ce mode Veloce GTS qui vaut véritablement le détour, mais en attendant de cliquer sur le lien de téléchargement, eh bien, vous connaissez la tradition, montez le son. Thank you.